C'est bon. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du coup, comme j'aime le dire. Merci Lucas. Je suis en pyjama, voilà. Première chose, alors pourquoi? Parce que j'ai encore un reste de maladie. Ma maladie est interminable, elle ne veut pas partir. Et donc du coup voilà, j'essaie de rester bien tranquillement à la maison. Mais j'irai quand même mettre un t-shirt tout à l'heure, hein, non, parce que c'est pas grave d'être en pyjama. Donc aujourd'hui, on va ouvrir cette boîte. Et vous avez 5 secondes pour essayer de deviner ce qu'elle contient. Je vous donne un indice, c'est une de mes collections. C'est très stupide, hein, vous allez voir comme collection. Vous avez fait 5 secondes, ne trichez pas, mettez dans les commentaires. Et tous ceux qui auront la bonne réponse, je m'abonne à leur chaîne. Parce que si quelqu'un trouve, sans tricher, putain. Secondes sont finies. Donc on va l'ouvrir, attention. Attention. Alors là, vous voyez pas encore très bien. J'ai pas envie de tout faire tomber. Je crois que même en regardant, vous n'avez pas deviné ce que c'était. Alors en fait, je vais vous expliquer. C'est ma collection de gommes. Voilà, je ne les utilise pas, comme vous pouvez le voir, elles sont neuves, elles sont pas abîmées, on les a pas utilisées, je les ai pas utilisées, mais voilà, c'est sympathique, c'est des gommes bizarres, de plein de trucs en fait, et voilà, j'en ai fait une petite collection, voilà, c'était même pas prévu, voilà, c'était juste pour décorer, et donc voilà, on va les regarder. Alors déjà, mes styles de gomme préférés, attendez, celle-là j'aime bien par exemple, regardez. Ça va être comme ça, ça sera bien pour la vidéo. Ici, on a un petit piano. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, un petit piano. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une pizza, comme je vous ai montré. Et en fait, ça s'enlève. C'est-à-dire que ça se... On peut enlever tout ça, mais bon, ça sert à rien à part donner du boulot en plus pour les ranger. On a un petit sac rose avec un deux papillons noirs. Alors pareil, hier j'ai tourné une vidéo sur une grosse box là, qui est à côté de moi. Pareil, je ne l'ai pas encore publiée. Donc des fois ça m'arrive que je me mélange un peu les pinceaux parce que je prévois des fois les vidéos à l'avance. Si c'est le cas, bah tant pis. Hein, je vous parlerai de choses dont vous n'aurez aucune idée parce que j'ai pas encore sorti la vidéo. Ensuite... On a de la glace. Alors désolé si vous entendez du bruit, c'est ma cracotte. Hein. Allez voir ma vidéo présentation des animaux pour ceux. J'ai fait une vidéo présentation. Oui, dans une de mes premières présentations, je vous ai présenté ma lapine. Faudrait que je vous en refasse une. En fait, mes premières vidéos étaient nulles à chier. Hein. Quand on vient à faire une présentation de comment faire la plus grosse bulle, tu te dis que t'es quand même tombé au fin fond de YouTube. Hein. Et donc, désolé. En plus, avec une caméra pourrie, bah, c'était nul à chier. Et ouais, j'essaierai de vous... Aujourd'hui, j'essaie quand même de vous faire des vidéos de qualité. Donc là, on a un petit écran avec un petit clavier. Il y avait un ensemble. Et normalement, j'ai aussi la manette. Désolé, faut vraiment que je me mouche, moi. Je vais finir comme Sora, pour ceux qui le connaissent, à me moucher tous les jours. Voilà, petite manette. Et oui, évidemment, j'avais une petite souris, voilà. Personnellement, j'ai jamais vu de souris orange, hein, mais voilà. Alors, en parlant de souris... Je sais pas si j'ai déjà présenté ma souris gamer là qui est là que j'utilise pas parce que c'est encore un setup que j'utilise pas là, mais parce que oui, pour deuxième réponse à Anthony Evrart, tu me diras vraiment ça se prononce comme ça, petite moustache là. Oh, c'est stylé comme ça, non? Ouais, non, ça fait surtout ridicule. Je fais pas beaucoup de gaming. Bon, j'ai fait quelques jeux, mais c'est-à-dire que avec Bandicam, où je peux enregistrer que 10 minutes, donc dès que j'ai fini mes 10 minutes, je coupe tout, je relance, je me remets, je refilme, tout ça. C'est un bordel monstre, mais dès que j'aurai Bandicam réellement, je pense reprendre sérieusement le gaming.
Puis là, je vous ferai des jeux de dingue, parce que... En plus, ce qui est con, c'est que moi, j'achète des jeux qui sont super bien, en général. J'achète des jeux qui valent la peine. J'attends, j'économise des sous, mais finalement, j'achète des bons jeux. Du coup, vous pouvez même pas en profiter, vous, mais vraiment, je me mettrai sérieusement au gaming. Une petite scie, comme ça, pareil, qui se démonte. Alors, je vais vous présenter les meilleurs, parce que bon, il y en a. C'est des chiottes, est-ce que c'est vraiment utile de vous les présenter? Je ne le crois pas. Sinon, on a une petite tour Eiffel, qui ressemble pas trop à la tour Eiffel, mais qui est bien sympathique. Ah, ça me fait penser mon voyage à Paris. Eh oui, les amis, j'ai voyagé à Paris. Pour ceux qui habitent à Paris, ça va faire bizarre. Parce que moi, Toul, c'est très éloigné de Paris. Un petit mug. C'est quand même dur, hein. Je sais pas si vous entendez. Petit mug. Tenez, on a des petits chiens, là. C'est une petite collection que j'avais trouvée. On a des un rouge et un vert, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite flûte. Il ne marche pas. Et une petite raquette. Sinon, on a quoi? On a un marteau, on a vraiment beaucoup de choses. Ah, c'est bien ça pour commencer. Alors, parcours de vous. Oh non! La tête du chien. Mon Dieu. Reviens à la vie, Pablo. Pablo, c'est bon. Pablo est revenu à la vie. Il est un peu possédé, mais sinon ça va. C'est bien pour commencer la vidéo. Attends, donc je trouve la caméra qui est ici. Attention, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, oh, c'est pas mal, je vais l'utiliser. N'importe quoi. Un mini piano ce fois-ci. Et des billets. Voilà, ça va faire plaisir à certains. Un billet de 10. Billet de 20. Et normalement, c'est un billet de 50. Ouais. Des petites gommes, voilà. Alors, ça doit être pratique pour gommer, mais je n'utilise pas. C'est juste de la collection. Ça c'est un de mes trucs préférés aussi. La canette de soda qui manque le couvercle. Attendez, est-ce que tout se barre en couille un peu là-dedans, là? Ouais, non. Bon, en tout cas, elle est vachement mignonne. Je crois qu'il y avait autre chose avec. Je crois qu'il y avait un burger. Parce que là, il y a une sorte de hot dog. Et je crois qu'il y avait un burger. Ah oui, voilà. Un petit burger, il y a même une pizza entière cette fois-ci. Sympathique, sympathique. Ouais, bien, nous continuons la suite de la vidéo avec mon nouveau micro. Il est chouette, hein, il a coûté 5 centimes. Ah, sinon on a j'ai arrêté de parler, etc. Sinon on a une petite merde, tiens d'ailleurs, en parlant de merde, qui va très très bien. Qui va très très bien. Où je l'ai foutu? Je l'ai foutu. Voilà, qui va super bien là-dedans. Et tu vas y rester. Ah, puis évidemment pour essuyer le tout du PQ. Non, c'est dégueulasse. Au revoir. Je vais prendre un sèche-cheveux. Vu que cette vidéo n'est pas montée, eh bien voilà, c'est un moment de gênance. Ce n'est pas grave, on a un deuxième petit mug. On a du rouge à lèvres. Qui n'est pas du rouge à lèvres, du rose à lèvres la plus. Je suis un peu fatiguée si mes blagues ne sont pas marrantes. Bon, c'est bon, j'arrête les références d'objets. C'est bon. Un petit peigne, un petit ballon qui lui est tout dur, hein, vraiment. Va gommer avec ça, tu détruis ta feuille. Hein. Tu gommes ta feuille directement là. Une petite tongue, je sais pas où est la deuxième. Elle est là. Une trousse de maquillage, une petite palette. Alors ça, il doit manquer quelque chose dessus. Il doit y avoir peut-être une plante.
c'est pas un petit plateau télé. Une petite passe qui marche, hein. Regardez, elle s'écarte et tout, hein. Ah, en fait, c'est ça, c'est juste ça qui bouge. Un poisson. La carcasse du poisson aussi, parce que là, il a été détruit, le pauvre. Un petit sandwich. Ça me donne envie d'un sandwich. J'ai des sandwichs au saumon dans le frigo. Le gars qui ne pense qu'à la bouffe. Et du dentifrice. Voilà, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a une petite frite. On a sinon. Alors désolé, je mets mon bras, vous voyez plus rien. Nouvelle vidéo. Bonjour les amis, ouais non, là ça le fait pas. Des petites lunettes. On a ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit sûrement manquer quelque chose. Ça va sûrement aller avec autre chose, mais alors on va savoir quoi. Ah, sinon on a du parfum, là. Petite fiole de parfum. Et ouais, c'est à peu près tout. Après, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre d'intéressant à vous montrer? Ça, c'est du j'ai oublié le mot, pardon. Ah, c'est dingue, cette puce en souvenir. Une petite pantoufle. Un tournevis. Une petite bouche comme ça. Oh, attendez. Faut absolument que j'essaye. Ça, c'est une miniature absolument. Non, je vais pas mettre en miniature, mais si un jour j'ai un jeu où on incarne une femme avec une moustache, et bien j'aurai la miniature. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on a, ça aussi? Un petit... j'oublie tous les mots. Puis au moins, regardez, ça reproduit bien, parce que du coup, ça se plie. Alors, les petits... plis, c'est pas une invasion d'araignées chez moi, c'est ma chienne, voilà. Voilà, sinon, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant. Après, c'est des petits bibelots et des petits bouts qui se sont détachés. Bonjour, toi, bien. Oh, viens, moi je suis. Bon, oui, je vais dire coucou à la caméra. Tu dis coucou à la caméra? Bon, oui, t'as vu? T'as vu? Bon. Non. Voilà, donc c'était à peu près ma collection de gommes. Je vous épargne le moment où je range tout, évidemment. Voilà, bon après ça sert à rien de mélanger plusieurs items, hein. En tout cas, nous on se retrouve la prochaine fois. C'était Lucas. Ciao!